Bonjour à toutes, à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Darkestor Multi en compagnie de Lord Geggy, ici présent. Salut à tous! Et voilà, donc nous commence à faire quand même assez tard, hein. Là j'ai mis le prix, donc normalement tes bateaux sont censés arriver. Il est pas super tôt, mais en même temps on a fait beaucoup de hors caméra, hein, faut le dire. C'est dommage qu'on a dû recommencer un moment, parce que sinon on aurait peut-être fait l'invasion de la France, on aurait fait des trucs bien, bien sales, parce que là j'ai pas vraiment bougé depuis tout à l'heure. Faut le dire, ouais. C'est triste. Je vais pleurer. Ah, pleure. Non, j'ai pas envie en fait. Alors, pourquoi tu me dis ? Parce que c'est pas logique ce que j'ai dit. Donc, je vais réorganiser un peu le pot de pu qu'il y avait en Hongrie, hein, parce que c'était vraiment de la merde qu'ils ont fait. Mais, putain. Mais. Ah. De Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, notre armée à Bratislava a été détruite. Quoi? What? Me dis pas qu'il y a une putain de rébellion et que... Tu te crois où, putain d'Hongrois? Ah, voilà, je peux. Quand même. Le Hongrois, il s'y est cru, là. Hein. T'as vu ça? Je pouvais rien faire. Hey, je suis ton maître, maintenant. Alors, tu t'agenouilles devant moi, tu me baisses les pieds, et tu me donnes ton fric. Donc, voilà. Voilà. De toute façon, il n'y a pas le choix. Le Hongrois est aligné, il est dans les forces de l'Axe, il obéit au chef suprême, c'est-à-dire l'Allemagne. Et si vous croyez pas que l'Allemand est le chef suprême, demandez à tous ceux qui l'ont battu. Voilà. Allez, ma petite bière. Bon, j'ai quand même réussi à faire bouger cette merde d'Hongrois, là. Je vais quand même redéployer certaines divisions vers la frontière avec le Roumain, parce que je vais l'aligner aussi directement. Donc, je ne crois pas non plus, j'en suis sûr. Bah au pire tu le fais. Tu peux pas de... Attends. Donne 2 secondes. Donne. Ouais, voilà, Albanie. Demander accès militaire. Voilà, 100%, tu le fais. Voilà, maintenant tu peux passer sur ton territoire. Bravo. Je te félicite. C'était très dur. T'aurais pas pu le faire tout seul. Et pourtant, tu l'as fait. T'es un héros. Oui, non, mais ça arrive parfois, ou bien ça arrive souvent même. Donc moi je veux plus d'argent si je peux. Oh putain, j'ai eu son fric, donc ça va. Comment est-ce que tu dois faire? Tu dois juste... Si, tu déplaces tes troupes. Déplacer. Et tu fais hoc. Et va les déplacer. C'est pas plus compliqué que ça, quand même. Non, mais oui, il avance. Bah, il avance. Non? Ok. Ah, voilà. T'as peut-être pas mis la bonne date de début de mission. Ah mais putain, je vois rien si vous faites des trucs en plein milieu de la poire. C'est bon, ça va, merci. J'ai envie de faire mon accord commercial là. Mais putain, vous me faites chier. Voilà, vous êtes content. Bon, qu'est-ce que je devais faire moi? Ah oui,
étatisme. Voilà. Ça me met des malus, mais ça me met plus de bonus que de malus, donc je le paye quand même. C'est quand même bien. Je trouve, personnellement. Ah, c'est bien. Ouais. Ouais. Donc ici, j'ai une force armée. J'avais dit quoi? J'attendrais l'arrivée de 2-3 garnisons, c'est ça? Oui, c'est ça, pour ouais, contre les plages et tout, le bazar. Donc ça, c'est... J'en mettrai une là, une là, une là et une là. Ok. Donc, il me faut 4 divisions. Grand si, les emprunts de guerre, ça, je peux les faire ou pas? Quand t'es en guerre, ouais. Mais il faut les rembourser, hein. Annuler. T'as un bouton avec annuler, là. Est-ce que je donne du pétrole à quelqu'un, moi? Non, je donne pas de pétrole. Nickel. C'est nickel. Il m'en faut du pétrole. Plus j'en ai, plus mieux je me porte. J'aime bien le pétrole. Et mon petit doudou à moi, le pétrole. Donc voilà, j'ai aligné des forces face aux Roumains. Donc normalement, dès que la France me déclarera la guerre, je pourrai aligner la Roumanie. Et ça, c'est quand même fat comme événement. J'aime bien. Donc, ouais. Donc la guerre approche à grands pas de mon côté. Toi t'es en plein dedans, mais moi, moi ça approche. T'as combien de d'usines maintenant? Ah ouais, quand même. Regarde un peu si t'as pas gardé et gagné un truc de tech. La technologie. Bouboule. T'as fait peur. Hein. Je me suis dit, il m'appelle Bouboule maintenant, c'est quoi ça? On est devenu pote ou quoi? Bah sinon j'aurais jamais aimé ça. Et putain, depuis la toute... Et vous vous étonnez qu'il est lent. Ouais. Non, en fait, c'est juste qu'il a de la, top... de la tech de merde, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est parce qu'il en fait pas, ces techs. Il faut les faire. Fais plutôt division infanterie 1939, toi. Là bah oui, celle-là. Elle est en cours, théoriquement. Non, elle est pas en cours, sinon elle serait en vert. Ah merde. Ah bah oui. Voilà. Ah bah waouh. Tu te souviens le truc de l'autre là? Le eh bah waouh qui cassait tout. Tu te souviens pas? Maxime et c'est eh bah waouh de merde, tu t'en souviens pas? Pourtant on a tellement joué ensemble, tu devrais t'en souvenir. Ça, mais sauf que je suis comme toi, mais mémoire, souvenir d'une mémoire de péremption. De péremption. Depuis quand je t'ai dit ça, moi? Tout le monde le sait, mais c'est affolant. Va falloir que je fasse une rébellion. Pourquoi est-ce que tout le monde est au courant que mes souvenirs ont une date de péremption? C'est effarant. Je suis pas d'accord. Et si, voilà. Alors, division d'infanterie. Sélectionné. Boum, c'est ici. Ok. Ici, j'ai E-A-N. Ok. Je veux mes avions et mes hydravions. Donc là, je peux débloquer encore un bateau. Bah dis donc, putain, j'en ai blindé, moi, des bateaux, maintenant. Comme vous voyez, moi, mes techs me permettent de m'améliorer quand même un peu plus rapidement. Bah, j'ai plus que 395 de trucs à améliorer. Ah. C'est beaucoup, j'avoue. Mais c'est moins qu'avant. Qu'est-ce que je me sens nul. Pourquoi autant de violence? Ouais. La question c'est pourquoi pas. Tout le monde connaît, hein, non? Ceux qui connaissent pas, mettez-le dans le chat que je me fous de votre cœur. Normalement, tout le monde est censé voir la référence. Est-ce que toi tu la vois, Guillaume? Lord Guigui. Désolé. C'est quoi? Oui, je vois la référence. C'est qui, Mousse? Me dis pas que c'est ta bière, hein, parce que... Oui, je pensais même pas à ça. Bah moi j'y ai pensé, alors n'y pense pas.
J'ai ces idées, quelquefois, ça me traverse l'esprit comme ça, et je me dis, est-ce que je laisse passer ou pas? Malheureusement, c'est passé. Désolé pour tout le monde. Je viens de ruiner votre journée en vous faisant regarder une vidéo de merde que vous ne regarderez jamais deux fois. Voilà. Je vous ai parlé de ma vie. Triste. De quoi? Ma vie est triste? N'en parle même pas. Hier, j'ai mangé des brocolis. Le truc qu'on n'aura rien à foutre. Mais avant-hier, j'ai mangé Eh ben. Je sais même plus ce que j'ai mangé. Pire que ça, tu vois, c'est vraiment tout le monde. Ah bon? Ouais, t'as envie de dire contre le grec normalement. Attends, je vais vérifier, hein, on sait jamais que tu fasses une agression sans le vouloir. Alors, le grec en guerre contre Italie. Ouais. Alors pourquoi je serais pas l'attaquer? Tu sélectionnes tes troupes et t'attaques. Tu fais pas chier quoi, merde. C'est ce que j'ai fait, regarde, c'est quoi? Ça marche pas. Ok, je mets sur pause et je vais changer ce bordel. Tu vois? Mais parle pas aussi fort, les abonnés t'entendent! En double peut-être. Oui, c'est pas. Là, pourtant, il y a bien du contrepassage, on a. Ça a un satellite et tout le bazar, donc normalement on devrait pouvoir passer, non? Ah bah. C'est simple, tu remets tes troupes dans un bateau et tu les fais débarquer. Ah non, là t'as déjà des. Attends. Je vais les faire embarquer. Hop. Et genre, tu vas aller à Plata machin chose là. Hop. Comme ça. Et tu fais une attaque de 3 ans s'il faut. Et voilà. Je lui ai fait lancer une attaque de 3 ans. C'est un connard. Pat. Si ça perce pas, ils vont réessayer pendant 3 ans, hein, donc fais gaffe. Le truc, il aura plus de division à la fin, elles vont rentrer complètement mortes et tout. T'aurais dû faire Aléa, mais bon, tant pis. Pour voir la bataille, regarde mon écran. Ici, tu vois, t'as un truc, et tu cliques dessus, normalement. Et si t'as des combats, voilà, tu cliques sur le combat. Vas-y, clique sur le combat. Et voilà, t'occupes à gagner. Donc là, le reste. Tu gagnes pas beaucoup, mais tu gagnes. Il faut voir si ça va rester comme ça longtemps. Attends. Tu te fais défoncer. Dégage. Voilà, t'as perdu. Ah là 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 là. Bah, prendre des troupes qui n'ont pas. Enfin, qui sont. Je vais déclarer la guerre à l'autre. Tu vas encore te retrouver face aux Roumains. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais s'ils bougent pas, ça passe. Donc, fais comme il te plaît. Tant que tu n'envahis pas le Roumain, moi, ça me va. Parce que le Roumain, comme je te l'ai dit, je vais en avoir besoin. Donc déclare la guerre à l'autre si tu veux. Donc remets tes troupes à la frontière avec avec le Yougoslave. Tu fais plus le vieux misclic où tu fais la paix alors que tu voulais pas. Hein. Et tu l'envahis entièrement, tu pètes la Grèce qui est derrière et voilà. Et ça devrait te suffire. Donc moi c'est quand qu'elles arrivent mes divisions là. Elles arrivent en avril, toutes, et on est en février. Donc dans 2 mois. Dans 2 mois, j'aurai ma garnison, qui me servira après à tenir les plages. Et ensuite, je pourrai défoncer le français. T'as déclaré la guerre à la Yougoslavie, t'as pas honte? T'as bien raison. Moi non plus.
cuisine, je vais pas faire ça parce que je veux pas aller plus loin en étatisme, hein, ça sert à rien. Ça va me faire de plus gros malus et ça m'intéresse pas trop. Surtout au niveau du temps de modernisation, c'est vraiment con d'avoir les malus à ce niveau-là. Donc voilà. Normalement, j'ai personne qui est en prioritaire. Ouais, non, j'ai personne en prioritaire, donc c'est génial. J'ai 106 divisions sous mon contrôle. Ouais, j'avoue, ça veut dire plus que toi. Bah, c'est normal, hein, c'est... Voilà. Oh, mon top. La Hongrie a déclaré la guerre à la Yougoslavie. Non, mais t'es sérieux, là? Non, mais c'est mon allié, le Hongrois. Mais oui, mais il peut pas déclarer la guerre à n'importe qui sans mon autorisation. C'est quoi, ça? Saloperie de Hongrois, ça veut dire que je suis en guerre, moi aussi? Et après quoi? Et non, je ne veux pas. Je ne veux pas la guerre. Attends. Proposer la paix. Paix blanche. Rejeté. Putain, mais quelle bande de cons. Moi, je suis l'Allemand, eh oh. Chaîne de montagne, véhicule. De montagne, moi. De montage, de véhicule. Ok, ça a été terminé. Ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, bah, je vais faire des tanks. Encore. Pour pas changer. Et étant donné que je suis en guerre, bah, autant en profiter. Je déclare la guerre aussi à cette merde qui est là. Qui me gâche la vue de mon beau palais. Ah oui, merde. Ah non, attends. Avant d'attaquer toute cette merde là-bas, je vais faire quelque chose de très très important. C'est je vais faire mobilisation partielle. Mobiliser. Accepter. Les réserves arrivent. Boum. Ici, vous avancez. Vous avancez, gêné. T'as déjà, faut pas me résister, hein. Oh, c'est quoi ça? Non, mais sérieux. Non, mais sérieux, quoi. J'ai des troupes comme ça, résistantes et tout, bah non. Je ne veux pas. Rébellion. Donc, toi, tu vas aller jusqu'à Copenhague et tu vas y rester. Voilà, tu es entré en guerre. C'est bien. Oh, le vieux message de sa mère. Ça met combien de temps à installer? Bah, tu regardes et voilà. Je le réponds même pas, c'est vraiment des questions de merde. Voilà, bah, je crois que ça avance bien. Chaîne de montage d'avion terminée. Nickel. Est-ce que je peux faire mes fusées? Non, pas encore. Est-ce que je peux... Ah, voilà, ça, c'est bien. Des doctrines pour avoir de meilleures troupes. Voilà, je veux des bonnes troupes. Est-ce que je suis en guerre contre eux? Non. Nickel! Si ça tombe, je vais pouvoir prendre le Danemark sans même entrer en guerre contre les Français ou les Anglais. Et du coup, je rusherai Suède! Attends, ils ont plein de métal partout. Je peux pas. Regarde-moi ça. Une province, ils ont 200 de métal par jour. Sur une seule province. Voilà, ça dit tout ce que ça veut dire. Hein. Je ne peux pas leur laisser autant d'argent. Enfin, c'est pas d'argent théoriquement, mais. Annexion à l'Albanie, tu crois que je dois le faire? Annexer les Albanais? Oh merde, j'ai un retour Windows. Ouais, tu peux le faire, ça peut être intéressant. Hein. Franchement, tu t'aurais plus à filer de l'argent et tout le bazar à l'autre là, et ça t'aiderait peut-être dans ta guerre. Je peux pas la sortir si c'est une blague. Oh, les bandes de chiens, ils m'ont foutu des bateaux là. Hors de portée de cette unité. Mais tu te fous de ma gueule, c'est des putains de bateaux. J'ai encore un retour Windows. Non, mais je vais te frapper, toi, hein, putain de retour de merde là. Alors, on en est à combien de temps? Ah, ouais, c'est juste. J'en ai rien à foutre de ce que t'as dit, toi. Oui, je reçois des messages, tu people. Comme... Faut pas croire que. Hein. Je suis pas un mec sans importance. Mais non. Comment oses-tu? Facilement en fait. Voilà. Donc toi tu sors aussi.
Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent pas sortir? J'avoue, vous avez des navires de merde, mais quand même. Vous pouvez faire 5 mètres sans vous faire... hein, ok. Attaquer des convois. Voilà. Tu vas attaquer des convois toute ta vie. Refusez, je ne veux pas la paix. Je veux la guerre totale. Ah oui, merde, j'ai oublié de... Ah, ça c'est con. Ça c'est très très con. Donc je vais mettre un peu dans le renfort. Voilà. 7 dans le renfort, ça devrait suffire, non? Ah, j'ai 70 à renforcer, putain. C'est quoi cette blague? Ils ont pas... Ah bah oui, la mobilisation partielle, hein, pas totale, hein, c'est pour ça. Quelle bande de gens gibou. Ah, j'ai des meilleurs navires du coup. Normalement. Oui, ça s'est amélioré, c'est nickel. On va attendre un peu. Et on va attaquer. Boum. Vous avez intérêt à le prendre cette fois-ci. Prenez Copenhague. Prenez base d'hydravion, c'est bien ça. Défaite. T'es sérieux? Les forces allemandes ont des défaites inacceptables. Je vais envoyer les avions de mes alliés à la place d'user mon essence. Ça fait gros connard écrit sur mon front. Ouais, j'avoue. J'avoue tout. Je suis un... Ah non, foiré. Attaque navale. Tu vas me bombarder les navires ennemis. Toi, tu vas faire aussi attaque navale. Sauf que tu vas le faire dans cette province-là. Et tu vas faire illimité. Poum. Allez, vas-y. Toi, tu vas me faire une attaque au sol. Bombarder convoi ou attaque au sol? Attaque au sol, allez, hop. Tu vas me le faire jusqu'à ta mort. Boum. Toi, tu me traverses ce putain de... Il veut pas? Ok, il y a sûrement des bateaux là-bas. Je peux pas y aller avec cette force-là, ils sont pas assez nombreux. Ici, ils seraient assez nombreux, mais je peux pas partir! Oh, je peux partir. Non, bouge plus. Non, je veux pas. Ok. Fonce. Pourquoi? Je veux mes attaques navales. Ils me font chier, monsieur. Je suis pas d'accord. Tu me coules ces convois ou merde? Mais mon souverain, il veut pas bouger. Marin de merde, ton cul, connard. Ah, ben je sais à cause de quoi. Attends, tu vas rester là, toi, un peu. Voilà, voilà. Vous allez pas rester entier longtemps, bande d'enfoirés. Ah, voilà, je viens de détruire des détruits. Oh, oh, j'ai mes gros cuirassés qui viennent d'arriver. C'est nickel. Je vais foutre dedans. Toi, tu vas continuer ton chemin jusque là-bas. Et ça serait bien que tu puisses aller là-bas, mais tu peux pas. Bon, tant pis. On va faire avec. Ah, ils veulent pas. Bon, tant pis. On va faire avec. Je fais avec tout ce qui passe. Hein. Je m'en fous. Je fonce. Je veux votre putain de pays. Mourez, les gens. Mourez. Pourquoi vous voulez pas mourir? J'entends la musique en fond, ça fait bien. Je suis toujours pas en guerre contre eux, c'est bien. Tu crois que la France me déclarera la guerre? Un jour, peut-être. Quand je deviendrai trop gros. Quand ça sera... Quand il y aura plus moyen de m'arrêter, il va essayer. T'imagines, les délires. Alors, t'y arrives? Bonjour. La Roumanie est toujours pas contre toi, hein, donc tu peux y aller. Ouais, t'inquiète, tu vais. Moi, je m'emmerde, c'est juste parce que là, ils ont déjà pris une province, parce que j'ai eu un bateau qui a bugué à un moment, et j'avais des troupes en... J'avais pas mal de troupes en Albanie, sauf que je sais pas attaquer par rapport à l'Albanie. Ça m'énerve. Tu sais pas attaquer par rapport à l'Albanie? Je sais pas attaquer avec l'Albanie, tu vois. Je sais pas attaquer par l'Albanie. Mais t'as Belgrade, t'as plus qu'à avoir Sarajevo?
Bah si, fonce sur Sarajevo, qu'est-ce que t'attends là? Et après, tu annexes et tu fonces sur les trucs que tu as pas pu encore avoir, genre en fait, le seul que tu as pas pu avoir, c'est le grec. Donc, allez, allez, je peux les niquer. Putain, je me prends des pertes. On va aller un peu plus vite. On va aller un peu moins vite. J'ai gagné. J'ai gagné contre cette merde. Annexer la nation. Oui. J'ai annexé ces putains de connards d'enfoirés de merde. Et je suis fier de moi. Donc voilà, j'irai déployer là-bas. Toi, tu vas retourner à Stuttgart. Toi, tu vas là-bas. Ouais, c'est bien. Et toi, vous retournez dans vos maisons. Face à la France. Parce qu'on sait jamais ce qu'ils peuvent nous faire, ceux-là. Et voilà, comme je m'y attendais, la France m'a déclaré la guerre. Sauf que maintenant, t'es prêt. Normalement. Ça, c'est qu'en théorie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner le roumain. Et là, ça va faire mal. Alors, je vais faire pause, quand même. Désolé. Hein. Voilà, j'ai aligné le roumain. Théoriquement, il a quand même beaucoup de divisions, le roumain. Donc, exercer le contrôle militaire, voilà, hop. Pour annexer, il faut aller dans ta Belgrade est encerclée. Bah, Belgrade, il est à moi surtout. Il est encerclé et ta division se replie, elle va se faire détruire. Donc t'as intérêt à vite fait prendre Sarajevo. Mais Sarajevo. C'est ce que je suis en train de... Oui, mais dans combien de jours il y arrive à Sarajevo? Quand tu sais lui dire ça. Oui, sélectionne ton billet. Il arrive le 7 avril et on est le 5 avril, ça devrait. J'ai eu peur pour toi, mon gars. Très peur. Non, en fait, je m'en fous. Non, en fait, je m'en fous. Le mec super sympa. Oui, oui, bah, en fait. Voilà quoi. Ça va pas changer ma vie, on va dire ça comme ça. Donc, tous ceux qui sont ici. Ah, bah voilà, quand même. Je voulais pas sélectionner les avions, moi. Ouais, les troupes roumaines qui font du caca. Qui essaye de prendre bien gentiment le... des provinces. C'est pas maintenant, je suis à plus vite. Là, il s'est sur pause. Hein, tu m'énerves. Bah écoute, j'ai le roumain à réorganiser, hein, mon gars. D'ailleurs, il va t'aider, le roumain. Voilà. Grouille-toi vraiment dès que tes troupes arrivent à Sarajevo, tu annexes le truc direct. Je vais essayer de passer Maginot direct. Moi. Hop. Donc je soutiens mon attaque. Je soutiens par ici aussi. Hop. Je vais mettre un peu plus dans les renforcements quand même parce que là. Pourquoi tu mets tout le temps sur pause, tu m'énerves. Oui, ben désolé, j'ai l'habitude de. Hein? Ok. Voilà. Parce que moi, dans 2 heures, je suis à Sarajevo quoi. Dans 2 heures? Voilà, moi j'y suis. Vas-y, annexe! Diplomatie. Attends, je vais faire pause comme ça, tu as pas ta division qui se fait niquer. Annexer la nation. Ok. Tu l'as annexé là? Oui. Moi, il est ah vert. Voilà, c'est vert, c'est devenu vert. Il y avait eu un petit bug graphique. Ça arrive de temps en temps. Donc voilà, et je passe avec beaucoup de pertes, mais je passe. Ah non, j'en ai maintenu. Oh, je suis occupé à défoncer la ligne Maginot avec des Roumains et des Hongrois. Enfin non, j'ai plus de... C'est vrai que j'ai plus des miennes en fait. Donc j'y pense.
on est 71 divisions contre 6. Et pas de bol, on a fini la vidéo la demi-heure. Ça c'est con. Hein. Donc suspense. Ouais, voilà, qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurai passé Maginot? Mon avis, si je passe Maginot, ça sera un gros bonus pour la fin du truc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines. À ciao ciao et à plus pour d'autres vidéos. Et à plus.